Non, mais derrière, je sais pas qui c'est. Qui jeune. Mais si, c'est. Comment il s'appelle? Michel Verdier. Michel Verdier. Ah oui. Ah oui, madame. Ah, ça, c'était encore un jour de Sainte-Barbe, là. Ah oui, oui, oui. La Sainte-Barbe, c'était toujours au mois de décembre. Alors, la Sainte-Barbe, on l'a eu faite dans la galerie, quelques années, là-bas, dans la grande galerie. Et après, nous avons mangé aussi à l'Hôtel de France. Et alors, pour Sainte-Barbe, souvent, c'était du marcassin qu'on mangeait. Mais en fait, tu disais qu'on buvait le rosé là-bas le matin au casse-croûte. Mais en fait, les Sainte-Barbe, moi je me rappelle très bien, c'était du pinot. Ah oui, ah, oui. C'était le pinot au Sainte-Barbe. Ah, ben, c'est et à qui c'est qui nous faisait boire un verre à vin? Ah, c'est moi, pardon. Et une fois, Madame Parot arrose sa médaille. Donc, on a été manger au resto où il y a maintenant la banque. En bas. Oui, c'était le palais, le palais, l'hôtel du palais. Hôtel du palais. Attendez, juste un peu plus. Non, mais de toute façon, t'as ta clé. Parce que je sais pas si je serai peut-être à la maison, mais je ne sais pas. T'as ta clé, tu rentres. Hein, parce que là, je suis en réunion. Bon. Mais je pense que je serai là. Hein. T'inquiète pas. Madame Parot arrose ses 25 ans là-bas, elle avait eu sa médaille, bien sûr, avec une enveloppe. Alors donc, nous allons manger au Paris. Et il y avait de la Denise Crassous qui était à côté de moi. Elle disait, attends, elle a dit, je vais être fiolée. Elle dit, il faut que je mette un peu d'eau dans mon vin. Mais alors, elle avait pris la carafe, mais c'était du vin blanc. Alors, vas-y, elle en avait mis. Ah ben oui. D'un seul coup, elle me regardait, elle dit, mais c'est que ça me chauffe. Alors, je regarde, mais j'ai dit, attends, qu'est-ce que t'as pris là comme... Ah ben, elle dit, j'ai pris de l'eau. J'ai dit, t'as pas pris de l'eau, t'as pris du vin blanc.